nous asseoir, nous allons chanter Down from His Glory pendant que le pasteur Faustin se prépare. Down from His Glory, from His Glory. Thank you.
Seigneur bénisse. Amen. Nous sommes en déjà d'être ici. Amen. Remercions les frères Eric pour son hospitalité et que nous avons aussi accordé sa chair. Que Dieu le bénisse beaucoup. Je ne sais pas que nous sommes quelque chose, mais nous sommes là juste par la grâce de Dieu. Si nous pouvons regarder à tout notre parcours, nous pouvons dire que nous ne sommes pas dignes. Amen. Amen. Mais la grâce de Dieu, c'est sur ça que nous comptons. Yes. Avant de vous demander de vous lever, je voudrais adresser une invitation. Je crois que le frère Eric a déjà oublié. Donc, le dimanche prochain, j'aurai en fait 50 ans d'existence sur cette terre. Alors, je voudrais qu'on puisse passer cette journée-là dans la méditation. Et je vous invite à méditer avec moi. Amen. 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 Vraiment, je vous invite à venir méditer avec moi. Amen. 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 Parce que chaque année qui passe, ça nous rapproche aussi de ce grand événement qui nous attend. Amen. C'est-à-dire la séparation de l'âme avec ses corps. Amen. Pour pouvoir aller rencontrer ceux qui nous ont précédés. Amen. 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 Alors c'est pour ça que je pensais que ça ne soit pas comme tous les autres. Pour moi, je voudrais passer ce moment en méditation. La méditation est aussi que ce soit vraiment un moment pour moi de repos. Amen. Amen. Que ce soit véritablement un véritable jubilé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons vous acclamer pour notre Dieu? À vous lever. On va lire dans Hébreux chapitre 2. Nous allons lire les premiers versets. Hébreux chapitre 2. Et nous lisons le premier verset. Il dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous bénissons cette parole que nous venons de lire. Qu'elle nous bénisse, parce qu'il a été dit, bienheureux celui qui lit ou qui lit les paroles de ce livre de prophétie et qui écoute ces paroles. Seigneur Dieu puissant, laisse que Père, par ces paroles, que nous soyons réellement bénis, que nous soyons réellement délivrés, que nous soyons, Seigneur Dieu puissant, réellement guéris de nos infirmités, de nos maladies, et que ceci nous rapproche plus dans ta présence, alors que nous nous recommandons entre ta main ce soir, au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que vous asseoir. Cet après-midi,
Je voudrais juste apporter un petit message que j'ai étudié comme ceci. Comment les Indiens ont perdu leur terre. Et comme sous-titre, ne laissez pas la chose vous glisser entre les mains. Amen. Amen. Nous venons de lire une portion de l'Écriture que Paul a utilisée, ou plutôt que Paul a écrite. Vous êtes sans oublier que le Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. C'est bien Paul. Amen. Amen. Et Paul a été inspiré certainement, comme je l'entendais ici, réellement, alors qu'il était en train de persécuter, de pourchasser les chrétiens, alors il s'est fait qu'il a rencontré la colonne de feu. Amen. Amen. Et comme il a rencontré la colonne de feu, et cela lui a réellement permis d'écrire tout ce que nous sommes en train de lire. Mais voilà que Paul, dans son deuxième chapitre, et juste au premier verset, il dit c'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Amen. Amen. Et il ajoute des peurs que nous ne soyons emportés loin d'elle. Alléluia. Il y a quelque chose ici qui est important que nous devons retenir, que nous devons chercher à tout prix à rester attaché à quelque chose. Amen. Attaché aux choses que nous avons entendues. Amen. Nous avons entendu des choses. Et Paul nous dit de nous attacher à cela, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Amen. Amen. Mais là, je tire mon sujet du livre des Hébreux, qui est le livre de chrétiens. Le livre des Hébreux, c'est le chapitre 2 des Hébreux, première partie. Et là, vous allez remarquer que Frère Branham est en train de parler des Indiens. Amen. Il dit que les Indiens ont perdu leur terre. Comment sont-ils arrivés à cela? Et c'est certainement, c'est parce qu'ils ont perdu, ils ont manqué d'être attachés à quelque chose. Amen. Il faut être attaché à quelque chose d'important dans votre vie. Quelque chose d'important que la Bible nous a promis. Restez attachés à la croix. Amen. Amen. Pourquoi nous chantons attachés à la croix pour nous? Amen. Amen. Restez attachés à Christ. Je crois que si nous restons attachés à Christ, nous n'allons rien perdre. Rien ne va glisser dans nos mains. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose de Frère Branham dans les messages Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Frère Branham dit ceci au paragraphe 32. Je vais juste poser quelque chose. Paragraphe 32, il dit ceci. «
Il dit ceci, et alors, quand nous voyons ces choses se produire, et nous les voyons effectivement se produire en eux, nous ne devions jamais négliger ces choses. Nous ne laissons qu'à... Nous les laissons carrément nous glisser entre les doigts. Voilà ce qui ne va pas avec la grande église pentecôtiste aujourd'hui. Ils ont laissé ce qu'il y avait de, ce qu'il y avait de mieux, leur glisser entre les doigts, alors qu'ils l'avaient dans les mains. Amen. Amen. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait comme les autres églises. Ils se sont jetés dans la voie décorée et se sont perdus et dans la voie de Caïn et se sont perdus par la révolte des Corées. Ils se sont organisés. Plutôt que de maintenir la communion entre les frères et que nous puissions ainsi être tous un, ils se sont organisés. Ils ont fait des petites organisations et des petits ismes qui ont surgi de là. Et ils ont simplement brisé la communion entre les frères. Et si vous ne prenez pas garde, ce sont les baptistes et les presbytériens qui vont prendre la relève. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Et nous avons laissé ces choses nous glisser des mains en étant désunis. Amen. Frère Branham ici est en train de parler de l'esprit de l'organisation. Amen. Il est en train de parler de l'esprit de la dénomination et il est en train de montrer comment les pentecôtistes qui est issu de l'âge de la Pentecôte, qui est issu de l'âge, en fait, de l'âge de la Odyssée, amen. Ces gens ici, ils ont laissé glisser la chose. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui a produit cela? Ils ont dit, ils se sont organisés. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tout simplement désunis. Pourquoi? Ils ont fait des petits groupes. Ils ont fait des petits ismes. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a produit cela. Mais là, Frère Madame continue, il dit ceci, comment les Indiens ont-ils perdu ce pays aux mains de l'homme blanc? Amen. Amen. C'est juste parce que ils étaient désunis. Amen. Amen. Ce terme ici, désunis, je crois que si nous pouvons voir ça dans toute sa profondeur, vous allez voir que ce sont les petits intérêts, ce sont les petites idées, ce sont les petites choses qui ont fait qu'ils sont arrivés à cette désunion. Amen. Amen. Et c'est là
Sans qu'il se rende compte, cela a amené jusqu'à ce qu'ils aient perdu leur terre. Alléluia. Amen. Il dit ceci, c'est parce qu'ils étaient désunis. S'ils avaient formé un grand front commun, mais ils se battaient entre eux, ils auraient gardé leur territoire s'ils s'étaient tous alliés. Amen. Amen. Vraiment, je ne sais pas si on peut comprendre, si nous pouvons saisir. Vous, sentez, vous voyez qu'en réalité, c'est comme si les chrétiens ne comprennent pas leur responsabilité. Mais Dieu nous a fait grâce, nous a envoyé un prophète. Mais ce prophète nous a aimés. Et ce prophète a aimé la parole et la continuité. Amen. Amen. Vous allez remarquer cela, que le prophète aime et voulait voir une église unie. Amen. 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 Alors que nous sommes ici, nous voyons que nous avons commencé une petite belle église. Amen. Une petite belle église qui ne peut grandir que quand nous avons tous le même sentiment, le sentiment de Christ. Amen. 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 Le sentiment de voir l'œuvre de Dieu progresser. Amen. Amen. Le sentiment de voir que nous-mêmes nous sommes effacés, mais que nous faisons passer devant Christ. Yes. Alléluia. Amen. Nous nous effaçons et nous nous tenons la main dans la main, sachant que nous sommes des êtres faibles. Alléluia. Amen. Parce que Frère Branham dit, ou la Bible dit, tout souverain sacrificateur. Amen. Il fait aussi des sacrifices pour ses péchés. Amen. C'est un homme. Amen. Il n'est pas dit qu'en étant un sacrificateur, on est exempt du péché. Alléluia. On n'est pas exempt du péché, c'est dans Hébreux. Et frère, voilà, la Bible dit, il fait aussi ses sacrifices de la même manière que les croyants font aussi des sacrifices. Amen. Alors nous tenons la main dans la main, il faut toujours savoir que des difficultés peuvent toujours surgir. Amen. Or, ces difficultés, quand ils arrivent, parce que nous sommes d'un commun accord, d'un même accord, parce que nous sommes animés par le même sentiment, le sentiment qui était en Christ, nous allons nous supporter les uns les autres. Amen. Et nous allons aussi dire la prière. Comme Jésus nous a enseigné, disant que lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est dans le ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et répétez un peu avec moi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, amen, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour au quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme
comme nous pardonnons aussi. Alléluia. Amen. Donc nous implorons qu'il nous pardonne nos offenses, mais aussi nous devons montrer à notre Dieu que nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et pourquoi Jésus peut-il dire ça dans sa prière? C'est pour amener, pour garder cet esprit d'unité. Amen. Amen. Oh, même si quelque chose peut venir, quand vous allez prier, vous allez vous souvenir, par je pardonne aussi l'offense que mon frère m'a fait. Amen. 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 Sinon, vous allez, Dieu peut vous arrêter et il va dire, est-ce que vraiment ce que tu dis, c'est ce que tu fais? Amen. Amen. Alors, c'est pour ça que nous disons, nous avons commencé une petite église et qui demande que nous puissions être toujours dans l'unité. Amen. Amen. Et qui demande que nous puissions nous supporter les uns les autres. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pourquoi ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont, en fait, ils étaient désunis. Au lieu de garder leur territoire, s'ils étaient tous alliés, nous, comment allons-nous le perdre? Maintenant, frère Branham dit, comment nous allons le perdre? Parce que nous sommes désunis. Comment nous perdons notre expérience avec Dieu? C'est en nous désunissant. Nous fondons un groupe. Amen. Amen. Et nous s'appelons celui-là les méthodistes, et celui-là les baptistes, et celui-là les assemblées, et celui-là les unitaires, et celui-là là quelque chose d'autre. Et l'Église de Dieu et les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, nous désunissons les corps de Christ. Nous ne devrions jamais être divisés. Amen. Amen. Et frère, on a prêché un message de non blasphématoire. Amen. Des fois, nous ne comprenons pas, mais nous sommes en train d'assister et nous sommes témoins du péché que commettent les églises du message aujourd'hui. Amen. Frère Branham dit qu'un témoin est aussi coupable que Amen. Que le coupable lui-même. Alléluia. Amen. Et Paul, il a insisté. Paul a parlé. Paul a pleuré. Alléluia. Amen. Pour son péché. Vous regardez, vous remarquerez que nous avons commencé à considérer comme si le péché, c'était simplement commettre adultère. Hein? Quand vous apprenez que tel frère a fait ça, c'est fini. Il n'y a plus de grâce. Mais nous péchons tous les jours. Amen. Amen. Nous péchons tous les jours. Et d'ailleurs, je vous choque un peu, le péché, c'est pour les chrétiens. Amen. Les pécheurs ne pêchent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la raison pour laquelle Christ a payé le prix sur la croix. Et frère Branham a prêché le message ces jours-là sur le calvaire. Il dit, qu'est-ce que le calvaire a fait pour nous? Amen. Nous devons comprendre la signification du calvaire. Il dit que la première des significations, c'est que le calvaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le prix. Alléluia. Et la question
des sépulcres chrétiens. Que cela ait été fait. Amen. 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 Alors, Paul, il a pleuré pour avoir participé au meurtre d'Étienne. Il dit qu'il avait tenu les courses ou les habits de ceux-là qui lapidaient Stéphane ou qui lapidaient Étienne. Alléluia. Il dit, je ne suis pas digne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été témoin au maître d'un martyr, au maître d'un fils de Dieu. Il dit, pour ça, je ne suis pas digne. Donc, pour avoir été témoin d'un péché, d'un mal qui s'est commis, Paul dit, je ne suis pas digne. Amen. Qui peut dire ça aujourd'hui, alors que toute l'Église n'est remplie que des saints? Amen. Quel est saint? Mais quand nous regardons que nous tous nous avons demandé les Ngunda. Amen. Et nous nous sommes supportés les uns les autres. Alléluia. Amen. Et nous avons fermé les yeux les uns sur les autres. Amen. Mais malgré cela, nous sommes toujours des saints, sans pour autant penser une fois à dire que je ne suis pas digne parce que j'ai participé au meurtre d'Étienne. Alléluia. Amen. Je pourrais extrapoler. Il y a beaucoup de choses que nous faisons sur cette terre que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes témoins l'un pour l'autre. Amen. 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 Mais Paul dit, je ne suis pas digne. Mais ici, nous sommes en train de voir qui réellement, dans le monde du message, dans les églises du message, se plaît des noms de blasphème. Amen. Des noms de blasphème. Parce que celui-ci tire un petit groupe quelque part. Il va donner ça un certain nom. L'autre fait et donne un certain nom. Il dit, Frère Abraham dit, ainsi, nous avons brisé la communion. Amen. 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 Ainsi, nous ne devions jamais être divisés. Nous pouvons avoir des idées différentes. Amen. Amen. Et nous devons avoir la capacité de supporter que quelqu'un d'autre donne une idée différente. Amen. 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 Ah, c'est vrai. Et la grandeur même, c'est d'accepter que quelqu'un d'autre, amen, amen, voit des choses autrement que vous le voyez. Alléluia. Amen. Il dit, soyons des frères unis, des cœurs. C'est ce que Dieu veut de nous. Il est mort pour notre, et il est mort pour toute l'Église de Dieu. Et nous ne voulons pas être désunis. Alléluia. Amen. Est-ce que vous écoutez ici, Frère Abraham dit qu'il est mort pour toute l'Église? Amen. Amen. Il n'est pas mort seulement pour ceux-là qui croient de cette manière-là, ou pour ceux-là qui croient de cette autre manière-là, mais il est mort pour toute l'Église. Amen. Amen. Pour toute l'Église de Dieu. Et nous ne voulons pas être désunis. Donc, nous devons d'autant, alléluia. Maintenant, écoutez, Frère Branham termine cette pensée et il l'adjoint à l'écriture d'Hébreux chapitre 2,
verset 1. Amen. Il dit, donc, hein, après tout ce que j'ai dit, alléluia, le fait que les gens sont désunis, après tout ça, là, amen, alors il dit, donc, nous devons d'autant plus nous attacher de peur que nous ne soyons emportés loin d'eux. Amen. Nous devons, alléluia, nous devons, et devoir, c'est une obligation. Amen. Nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Alléluia! Amen. Ça c'est bien. Des choses que nous avons entendues. Il n'est pas dit que nous puissions chercher à ce que l'un ou l'autre puisse adhérer à ma façon de voir. Amen. Amen. Peut-être que cela n'est pas pour lui. Alléluia. Amen. Peut-être que cela, il ne le comprendra pas. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Nous devons être un peuple. Amen. Nous attacher aux choses que nous avons entendues. Oh, c'est bien. Je me sens bien maintenant. Je sens que vous sentez, vous voyez, Frère Branham est en train de parler de Paul. Je vais un peu aller toujours dans ce message de Hébreux chapitre 2. Amen. Oh, c'est bien. Toujours dans ce message, Frère Branham parle de Paul. Hein, je vais rentrer un peu là, au verset, au paragraphe. Hein, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai quand frère Eric était en train de parler aux enfants. J'ai beaucoup aimé. En parlant de la lumière. Avoir assez de retenue quant à cette parole. Lui, il partait pour persécuter. Frère Branham dit qu'il était à une bonne école. L'école des cavaliers. Yes. Alléluia. Amen. Il était bien renseigné sur la parole. Mais il avait manqué la révélation. Malgré toute sa connaissance, malgré toute sa notoriété. Mais malgré cela, Gamaliel et son fidèle, ils ne pouvaient pas savoir que Dieu avait visité Israël. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils avaient une grande connaissance de la parole. Ils avaient une grande connaissance des Écritures, et donc la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Alors cet homme ici, Paul, il allait vers les chrétiens qui avaient compris ces choses, qui avaient compris la visitation de cet homme. Alors Paul allait
les persécuter. Mais regardez une grande chose qui arrive dans la vie de cet homme. Une chose importante que nous apprenons tous les jours. Et d'ailleurs, nos enfants ont appris sur cela aujourd'hui. Que Paul rencontra une grande lumière. Alléluia. Il a rencontré une très grande lumière qu'on appelle aujourd'hui par la connaissance que nous avons appris du message, que c'est la colonne de feu. Amen. Amen. Et frère Branham appelle ça l'éloquence. Amen, amen. 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 Et c'est là que Dieu parla, il dit, créons l'homme à notre image. Mm-hmm. Donc quand il disait ça, il était en train de parler au Logos. Amen. C'est la première création. Amen. De Dieu. Amen. Amen. Alors cette grande lumière frappa Paul. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul, comme il connaissait les Écritures, yes, parce qu'il venait d'une grande école, yes, et il faudrait que ce que nous avons appris de la Bible, ce que nous avons appris, nous serve. Quand nous lisons, que cela nous serve, que quand nous arrivons au contact de quelque chose, que cela puisse nous aider à ramener cela dans la Bible et à l'étudier. Amen. Amen. Premièrement, Paul, il dit, qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? C'était la connaissance qui l'avait aidé à reconnaître que la grande lumière n'était rien d'autre que Dieu. Amen. Amen. Maintenant, vous pensez que c'était très spectaculaire, n'est-ce pas? Parce que quand nous lisons ça, nous pensons que c'était spectaculaire. Amen. Que tout le monde qui était là sur le chemin de Damas pouvait voir la colonne de feu. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Et ils pouvaient voir comment Paul était jeté à terre. Alléluia. Il pouvait comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Alléluia. Mais en réalité, seul Paul était en train de vivre son expérience. Frère Branham dit qu'il y avait des soldats. Les soldats qui étaient là, ils n'avaient pas vu la lumière. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais lire ça parce que nous devons aimer le prophète. Amen. Et il dit, paragraphe, je commence au paragraphe 6, je crois. Non, je recommence au paragraphe 7. Il dit maintenant, pour nous encourager, et pour avoir une base ici, comment pouvait-il être une lumière alors qu'il avait été un homme? N'est-ce pas ce qu'on vous a enseigné, les enfants? Or, personne, un groupe de soldats accompagnait Paul. Des gardes du temple qui se rendaient là-bas pour procéder aux arrestations. Paul était le commandant. Il se rendait là-bas pour arrêter des gens en raison des campagnes qu'il faisait et tout ça et en raison de l'espérance religieuse qui les habitait.
Ces gens-là qui faisaient les campagnes-là, ils avaient une espérance qui était fondée sur, alléluia, sur ce qu'ils avaient entendu. Amen. Et ils étaient accrochés à ça parce que de peu, cela pouvait être apporté loin d'eux. Alléluia. Amen. Il dit, mais voilà Jésus qui apparaît sous la forme d'une grande lumière. Amen. Or, si vous vous souvenez, au commencement, Jésus était Amen. Une lumière. Amen. Jésus était le Logos. Yes. Qui est sorti de Dieu. Et il était l'ange de l'Alliance qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Et il était la colonne de feu qu'il regardait. Et il l'était. Et quand il était ici sur terre, il a dit, je suis venu de Dieu. Et je retourne à Dieu. Amen. Donc, s'il est venu d'une colonne de feu Amen. Et est devenu un homme, alors s'il est retourné là où il était, yes. il est redevenu une lumière. Amen. Et c'est ce qu'il était. Quand Paul l'a vu, Amen. Il était une lumière. Amen. Alléluia. Oh, maintenant écoutez, c'est important. Excusez-moi. Oh, tous ces soldats qui étaient avec Paul n'ont pas vu la lumière. Amen. Alors est-il possible qu'une personne la voit et que les autres ne la voient pas? Alléluia! Certainement! Très bien! Lui, Paul l'a vu, mais les autres n'ont pas vu la lumière! Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, c'est vrai! Paul a vu la lumière! Mais là, remarquez! Si Paul, ces jours-là, il s'est levé, dis-moi, j'ai vu Jésus. Les soldats qui étaient avec lui, ils allaient tirer sur Paul. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils allaient pour persécuter les chrétiens. Amen. Mais ils ne pouvaient pas se mettre là pour dire que j'ai vu cette lumière-là. Amen. Amen. Parce que ceux-là ne l'ont pas vu. C'était ennemi à la lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous parler encore de l'autre. Amen. Amen. Frère Branham, toujours vous pouvez lire ça, c'est bien de lire. Le livre des Hébreux, c'est un livre de chrétiens. Amen. 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 Alors, Frère Branham parle des mages. Qui ont vu son étoile depuis l'Orient. Amen. Amen. Et ils ont commencé un voyage. Quand ils ont commencé le voyage, ils ne savaient pas que ce voyage leur prendrait des ans. Amen. Et ils ont commencé le voyage. Et ils sont arrivés jusque à la porte de Jérusalem. Et quand ils arrivent à la porte de Jérusalem, un esprit est entré en eux. Il dit, mais voilà, c'est ici Jérusalem, la grande ville religieuse, la plus grande ville religieuse. Il dit, ils ne peuvent pas manquer ceci. Ils doivent en être informés. My. Nous devons entrer dans la ville. Amen. Parce que, certainement, ils savent quelque chose et ils vont nous emmener jusqu'où se trouve l'enfant né roi.
remarqué. Quand ils sont entrés dans Jérusalem et qu'ils voyaient l'étoile, Amen. Dans Jérusalem, l'étoile a disparu de leurs yeux. Et ils ont demandé aux gens qui étaient à Jérusalem, dites-nous, où est l'enfant qui est né roi? Parce que nous avons vu son étoile depuis longtemps et nous sommes venus pour l'adorer. Les gens qui étaient là, ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler de Jésus. Amen. Alors, comme si cela ne suffisait pas, il fallait arriver jusque chez le roi. Et le roi aussi, il ne connaissait absolument rien. Il a appelé ceux qui lisaient les Écritures, les scribes. Réunissez-vous, écoutez ce que les gens ici nous disent, qu'ils soient nés dans ma ville, dans mon état, un fils qui soit roi. Ça, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Moi, je suis vivant, qui est encore un fils roi. Alors, quand ils se sont réunis, ils ont compris que les Écritures avaient promis quand même quelque chose de ce genre. Mais ces gens, ils devaient repartir. Ils sont sortis de Jérusalem. Alléluia. Une fois sortis de Jérusalem, ils ont vu la lumière réapparaître. Amen. Ils ont suivi la lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Non. Yes, sir. Je vais lire le paragraphe 14. Parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Paragraphe 14. Amen. Il dit, alors, vous voyez, Dieu ne traite pas avec les organisations. Non, jamais. Il ne traite pas avec des groupes, des gens. Il traite avec des individus. Amen. Amen. Il se révèle à des individus. Amen. Amen. Et maintenant, je dis ceci, ce n'est pas Dieu connaît mon cœur. Et je ne dis pas ceci par intérêt personnel pour me glorifier personnellement. C'est simplement que j'étais présent. Mais savez-vous que ce même Dieu, ce même Jésus, est avec nous ce matin. Alléluia. Point d'interrogation. Amen. Comprenez ce que Frère Branham dit. Les mages pensaient que s'ils pouvaient entrer dans Jérusalem, certainement que Dieu traite avec beaucoup de gens, ou plutôt une des grandes organisations. Amen, parce que Jérusalem était une grande organisation. Yes. Amen. Amen. Mais leur erreur, c'était d'entrer là-bas. Et ils ont trouvé des gens qui ne croyaient pas. Des gens qui ne pouvaient pas croire. Amen. Amen. Est-ce qu'ils avaient une doctrine? Ce n'était pas une doctrine. Amen. Ils avaient tout simplement vu la lumière. Amen. Et ils ont commencé à suivre le Christ. C'est assez vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Mais Hérode pouvait être là et dire, mais ces gens ici nous ont amené une mauvaise doctrine. Voilà. Amen. Amen. Mais remarquez quand même une bonne chose qu'Hérode avait faite. Il a réuni quand même l'esprit. Voilà. Parce qu'il savait que pareille chose ne peut pas être dit, ne peut pas sortir yes. comme ça si Dieu n'a pas parlé. Yes, sir. Amen. That's true. Amen. 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 Mais malgré cela, comme j'étais incrédule, je vais lire encore une autre citation de toute manière pour vous comprenez déjà l'idée, mais vous allez comprendre que cela ne lui était pas destiné. Amen. Amen. Alors, il dira, mais si vous partez, si vous trouvez cet enfant-là, revenez par ici pour me dire, pour que moi aussi je puisse partir pour la gloire. L'esprit de Cana. Amen. Amen. Frère, montre-moi l'écriture. Si je vois, je vais croire. Amen. Ne te laisse pas prendre dans les pièces. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tout le monde ne marche pas par la foi ou tout le monde n'est pas en fait censé croire. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, vous voyez que Frère Branham dit qu'en réalité, Dieu traite avec des individus, mais pas avec des groupes ou des organisations. Frère Branham dit quelque chose ici. Les groupes ont leur manière de voir les choses. Ah, c'est vrai. Amen. Amen. Dans Exposé, là, j'espère, c'est page 155, paragraphe 2. Il dit ceci. Les sept anges tels qu'ils sont exposés, et les sept anges plutôt, tels qu'ils sont exposés dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, inclut plutôt toute la durée de la totalité des gens des nations, c'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour les saluer. Dans chacun des âges, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. Écrit au messager de l'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de la Odyssée. Voici ce qu'il dit celui, etc. Que celui au singulier qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire. Amen. À cet âge-là. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Amen. Amen. Le message est alors diffusé à tous, mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu qu'individuellement que par un groupe
particulier. D'une certaine façon, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière, pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Alléluia. Amen. 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 C'est ce que les mages voulaient faire. Ils voulaient amener une révélation collective à un groupe. Amen. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Amen. Amen. Donc la révélation, elle est individuellement reçue. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas que ça sera quelque chose de collectif. Quand nous voyons les gens, non, croyez, non. Les mages ont essayé de faire ça. Alléluia. Amen. Ils ont essayé de forcer la révélation. Mais là, remarquez, quand ils sont venus, quand vous venez avec quelque chose, vous allez voir que vous venez avec cette chose que vous avez lue dans l'Écriture. Celui qui vous reçoit, il va faire de votre chose un mystère. Alléluia. Parce que les chrétiens, ils ne se sont pas eux-mêmes appelés chrétiens. Ce sont les gens qui les ont appelés chrétiens. Amen. Ceux qui suivent le message de Frère Branham, ils ne se sont pas appelés eux-mêmes branhamistes. Non. Ce sont les gens qui les appellent branhamistes. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas croire dans ce que Branham a dit. Alléluia. Et ainsi de suite, vous allez voir qu'au milieu de ceux-là qui croient le message de Frère Branham, il y en a qui sont appelés tonneristes ou de ceci ou non de ceci. Toutes ces choses-là, ce n'est pas que celui-là qui y a lu une écriture s'est fait passer de tel ou tel, mais comme c'est comme ça, à travers chaque génération, que celui vers qui vous allez, c'est lui qui va vous donner le nom. N'est-ce pas qu'Abraham, on a donné tous les noms? De Belzéboul jusqu'à Dieu. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous allez comprendre qu'ici, c'est une affaire individuelle. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Christ est le mystère de Dieu révélé. Vous allez voir encore quelque chose. Écoutez, paragraphe 393. Le grand secret de Dieu. Hein? C'est un mystère. Le grand secret de Dieu. Amen. C'est un grand mystère. Le grand secret de Dieu a toujours aveuglé la sagesse du monde. Amen. Paragraphe 393. Ils ne peuvent pas saisir cela. Amen. Ils ne comprennent tout simplement pas. Satan ne les comprend pas non plus. Amen. Aucun d'eux ne comprend cela, sauf ceux qui sont prédestinés à les comprendre. Amen. Amen. Comment Dieu et Christ sont un? Chaque fois, ils font de lui trois personnes. Voyez-vous, ils le font certainement. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas prédestiné. Ils ne sont pas prédestinés pour ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lisons encore une autre citation dans toujours Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 106. Le grand mystère de Dieu sur comment? C'était un secret. Il a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Amen. Même les anges ne les comprenaient pas.
Alléluia. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, quand le septième sceau était ouvert, il y avait un silence. Amen. 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 Oui, j'avais prêché un message, c'était comment? Le silence du septième sceau. Amen. Amen. Jésus, quand il était sur terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Il a dit, ce n'est pas. Même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Voyez, Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Amen. 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 Et les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Voyez, la venue du Seigneur, amen, c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Amen. Comment il viendra? Et quand il viendra, est-ce une bonne chose? Écoutez bien. Est-ce une bonne chose qui ne l'ait pas révélée? Non. Alléluia. Amen. Frère Branham dit non. Est-ce que vous êtes avec moi? Il continue. Il dit, il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Amen. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Amen. Mais la Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu avait, un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des croyants dans la Bible ont été des types et ils exprimaient ce que le grand but de Dieu est maintenant. En ces derniers jours, il a révélé et montré. Amen. Et avec l'aide de Dieu, eh bien, vous verrez cela juste ici ce matin. Yes. Ce que le Seigneur avait depuis toujours dans sa pensée et qu'il l'a exprimé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est clair. Ce n'est pas un problème de discuter. Ce n'est même pas un problème que nous allons nous faire des choses. Amen. Mais l'ange a bien fait vraiment. Amen les gens. Avec quoi? Yes. Amen. Amen. C'est ce que nous devons nous arrêter à ce que Frère Branham a dit. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Maintenant, vous remarquez que comment nous perdons? Parce que nous laissons la chose se glisser entre nos mains. Amen. Amen. Parce qu'il est important d'être attaché à ce que nous avons entendu. Yes. Et de peur que nous ne que nous, cela ne, nous ne soyons emportés loin d'elle. Amen. Amen. Nous avons entendu. Et le diable sait comment faire. Il veut amener ces choses pour que ces choses-là nous soyons emportés loin de la parole de Dieu. Amen. Et je vais finir, peut-être avec une longue lecture, je ne sais pas combien de temps il nous reste, dans la révélation, 10 minutes, c'est beaucoup.
La révélation, ou excusez-moi, question-réponse sur les eaux. Question-réponse sur les eaux. Suivez un peu. Il dit ceci, au paragraphe 8. Alors, vous voyez, si vous œuvrez, disons sur une chose, et qu'ensuite, il faut changer pour passer à autre chose. Est-ce que vous comprenez comment Frère Branham est en train d'introduire le septième son? Amen. Il faut changer pour passer à autre chose. Ici, vous savez ce que je veux dire. Vous étudiez sous cet angle-là, vous amenez les gens et ainsi de suite, ils y appliquent tout leur cœur. Quels sont ces sauts? Leur attention, qu'en est-il sur soir après soir? Lorsque j'entre, l'attention est tellement grande ici que je crois parler de quelque chose d'autre pour chercher un peu, chercher à apaiser cela. Vous voyez? Et ensuite, le Saint-Esprit ouvre le son. Et puis, je dois tous les soirs comme ça. Amen. Amen. Voyez, Frère Branham, c'est pourquoi il dit même qu'il présente les messages sous forme amateur. Alléluia. Si je devrais présenter comme cela m'a été montré, c'est terrible. Amen. Il dit, je viens, je cherche pour apaiser. Mais de quoi il est en train de parler? Il dit, au paragraphe 9, et puis, aussi quand on sait que juste au milieu de vous, des choses sont en train d'arriver. Amen. Amen. Vous voyez, dont je suis, je sais que vous ne voyez pas cela. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Paul, lui, il a vu. Voilà. Et frère Warren dit, je sais que vous ne voyez pas cela. Amen. Je suis vraiment sûr que vous ne voyez pas cela. Voyez-vous? Et vous direz, Frère Branham, c'est une forte déclaration que vous faites là. Je le sais. Mais écoutez maintenant. Laissez-moi dire ceci. Je suppose que c'est enregistré seulement pour nous-mêmes. Et tout. Mais laissez-moi dire ceci. Voyez-vous, vous ne saisissez pas, voyez, et vous n'êtes pas censé saisir. Amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. 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 Ces choses dont Frère Branham parle, quand un changement est en train d'arriver, il dit que je sais que vous ne comprenez pas. Et vous ne saisissez même pas. Vous direz que Frère Branham, vous avez fait une forte déclaration. Dit, vous ne saisissez pas, mais vous n'êtes pas censé saisir. Alors n'essayez pas d'interpréter quoi que ce soit. Vous voyez? N'essayez pas d'y ajouter votre interprétation. Vous ne feriez que vous éloigner davantage. Suivez mon conseil, si vous me croyez donc, si Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, et si vous savez que ces révélations et tout, il y a longtemps que je suis ici avec vous et elles ont toujours été justes. Amen. Et maintenant, pour prouver doublement qu'elles sont justes, elles s'accordent parfaitement avec la parole. Amen. Voyez, donc,
Vous savez que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est exact. Vous voyez, vous en avez la preuve. Amen. 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 Maintenant, je vous laisse le soin de lire jusqu'à la fin. Parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Amen. Amen. Maintenant, Frère Marie, il va spécifiquement dire, et surtout quand on va arriver à ce message de cet après-midi, pointant les soins, les septièmes soins, il est en train de montrer comment nous devrons faire. Ne vous singularisez pas. Amen. Amen. Vivez tout simplement une vie chrétienne. Soyez humble. Amen. 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 Ne sortez pas pour dire, frère Branham, parce que c'est. Est-ce que ne devrions-nous pas? Alléluia. Il dit, laissez les choses seulement telles que ça est. Amen. Si on pouvait suivre les conseils des frères Branham, on n'aurait pas d'années. Amen. C'est pourquoi il y a tellement d'années. Parce que je crois de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Je crois, comme je le disais, nous avons donné le nom de blasphème. Nous avons fait toutes ces choses, mais en réalité, nous n'avons pas subi cette écriture de foi. Amen. Amen. Frère Branham, lui, il a dit, lisez, j'aimerais que votre pasteur puisse vous lire cela. Hein, prochainement, s'il a le temps. Il va dire que vous n'allez que vous éloigner de la chose. Alléluia. Mais laissez seulement Amen. Amen. Soyez humble. Amen. Alléluia. Amen. Mais la révélation n'est pas pour tous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais lui, Branham dit que je sais que vous ne saisissez pas. Et vous n'êtes pas censé saisir. C'est-à-dire, si quelqu'un veut créer un problème sur ce que Frère Branham a apporté, c'est seulement lui-même qui crée un problème. Alléluia. Parce que Branham, dorénavant, nous a dit que je sais que vous ne saisissez pas et vous n'êtes pas censé saisir. Amen. 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 Mais laissez simplement la chose telle qu'elle. Amen. Amen. Même quand quelqu'un vient, mon frère tel, dis-moi un peu l'ouverture des seaux, c'est comment? Moi, j'ai dit, l'ouverture des seaux, et voilà, on en a parlé quelque part. Va lire dans le livre des seaux. Amen. Non, frère, il y a des problèmes. Je veux savoir comment c'est comment. Vas-y dans le message. Tu vas trouver cela. Tu vas trouver la réponse. Amen. Amen. Et je crois que Frère Joseph fait le travail correct. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand vous lui posez qu'en est-il de ceci ou qu'en est-il de cela, il n'est pas là pour vous dire sa révélation. Amen. Mm-hmm. Mais il est là pour appliquer les conseils du prophète qui est là. Laissez la chose telle qu'elle. N'ajoutez pas, dites seulement, pointez seulement les gens là au bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous allez dire à quelqu'un que moi, je vois que le Fils de l'homme est revenu. Alléluia. Ça, c'est vous qui dites. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vous. Mais quand
Le prophète le dit à quelqu'un, il doit croire, il est obligé, parce que l'ange a dit, amenez les gens à te croire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Personne qui a vu la lumière. Les soldats étaient tout autour de Paul, ils n'ont rien vu comme lumière. Amen. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas ce que nous croyons. Comment est-ce que vous croyez comme ça? Pour eux, nous sommes des fous. Mais nous avons vu la lumière. Amen. Et cette chose, c'est le troisième point. C'est une conviction. Les 10 lépreux, ils étaient tous guéris. Et ils sont tous partis ensemble. Mais arrivé quelque part, un seul s'est arrêté. Sûrement qu'il a parlé aux autres. Sûrement qu'il a dit, mais mes amis, retournez un peu. Les autres ont refusé. Mais lui, il n'a pas suivi le mouvement du groupe. Mm-hmm. Les mêmes sont partis. Il dit, ah, si vous partez, moi je n'ai pas envers celui-là. Ça doit être lui qui m'a dit. Il est revenu seul frère. Il était la seule personne qui était dans la vérité. Et la vérité, c'est toujours une minorité. Amen. Ici, on n'est pas dans une affaire de groupe. Dieu a révélé la parole s'est avancée. Le frère Branham nous a dit que Christ est venu. À la venue de Christ, il dit en lui, il y a le millénium. Amen. Le frère Branham dit que le livre n'est pas ouvert dans les sept âges d'église. C'est ouvert en dehors des âges. Nous, nous disons Amen. Le pasteur a dit une citation qui dit que je sais que vous ne les saisissez pas. Le frère ne nous demande pas de saisir, il nous demande de croire. Il s'agit de croire. Si les livres sont, le livre est ouvert en dehors des âges, cela veut dire que nous sommes en dehors des âges. Parce qu'en dehors des âges, c'est la fête des tabernacles. Le livre n'est pas ouvert dans la fête des tabernacles, c'est ouvert en dehors. C'est dans le huitième jour, dans la nuit de gloire. C'est ça le message d'aujourd'hui, c'est ça la lumière. Si vous marchez en dehors de la lumière du huitième jour, vous êtes dans les ténèbres. Amen. Mais nous sommes comme Paul, nous sommes ensemble. La lumière nous a frappés, nous nous avons vus. Les autres n'ont pas vu. Amen. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais c'est lui que Dieu a fait grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est de vous révéler la parole. Ce n'est pas vous donner de l'argent et de riche. Parce que Richard Virgin, il n'est pas chrétien. Il a beaucoup d'argent. Amen. Amen. Mais nous, notre bonheur à nous, c'est la révélation de la parole. Voilà pourquoi nous nous réjouissons. Amen. Dans la sainte convocation, c'est la grande fête parmi les croyants. Amen. Ces choses nous donnent la joie, frère. Amen. C'est pourquoi quand nous écoutons ça, nous festoyons. Amen. Que Dieu bénisse notre ancien. Vous voyez, il a dit quelque chose là que j'ai déjà prêché ça une fois. Les mages, quand ils ont quitté l'Orient, il y avait l'étoile. L'étoile, c'est le messager. Ils ont marché, arrivés à Jérusalem. Frère Branham dit que Jérusalem, c'est le quartier général des églises. Arrivés à Jérusalem, l'étoile, Virgile, le messager disparaît. Amen. Frère, dans les églises, le messager n'existe pas. Et ils ne croient pas les affaires de Frère Branham. J'ai dit, frère, Amen. Dans les quartiers général à Jérusalem, ils ne croient pas les affaires de Frère Branham. Frère, quelqu'un te dirait que ça, ce n'est pas Jésus, mais Frère Branham a présenté cette photo comme Jésus. C'est avec quel courage tu dis que ça, ce n'est pas Jésus. Le Frère Branham dit que, regardez, si vous le tournez à droite, c'est Jésus. Regardez ses yeux, regardez son nez. Mais toi, avec ton courage, là, tu viens dire que ce n'est pas Jésus. Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Dis-nous, c'est qui? Quartier général des églises. Vous arrivez là, le messager disparaît. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir du système. Amen. Amen. Tu sors du système et l'étoile va réapparaître. Amen. Le frère Branham réapparaîtra. Frère, ne suivez pas les photos qu'ils mettent dans leurs églises. Ils ne croient pas le frère Branham. Ils disent, c'est ma frère Branham est dit, frère Branham est dit. Mais quand on amène ça que le frère Branham est dit, ça devient une doctrine. Les gens du millénium, non, le millénium, ce n'est pas une doctrine. C'est une réalité. Mais oui. La des
n'est pas une doctrine, c'est une réalité. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Tous par la mort, ce n'est pas une doctrine, c'est une réalité. Amen. La Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Où est la doctrine là-dessus? Ça, ce sont des choses qui collent pour faire peur aux gens. Total à ma mort. Ok. Ah, nous, on dit beaucoup de temps. Non, ici, nous, on plaît pas. Nous, ici, nous sommes les coins des frères Branham. Nous ne sommes pas dans les affaires des églises. Amen. Nous sommes une église, comme les frères Branham, l'a dit là, où les gens communient ensemble. C'est une église. Mais nous ne sommes pas une église dans le système du monde. Amen. Nous, ici, si les frères Branham dit quelque chose, nous lui disons Amen. Et nous marchons comme les lépreux là. Il n'a pas regardé les neuf autres. Il est retourné seul. Si nous allons rester seuls, frère, nous allons rester seuls. Amen. Mais nous allons nous attacher à frère Branham. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous marchons dans la lumière, dans la sainte lumière, Jésus, la lumière du monde. Amen. Alors, gloire à Dieu. Parce que tu m'as donné l'envie de prêcher. C'était très bon, le septième saut. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Priez pour l'impact. Amen. Nos enfants, la joie quand nous voulons les parler, nous soutenir même. Ça nous fait du bien.